c'est une lettre ouverte. Donc une lettre ouverte adressée au préfet, c'est... mais je l'ai bien entendu. On avait une réunion qui était prévue la semaine prochaine avec les groupes Carnaval. Ils sont invités à ce titre. J'espère qu'ils pourront être présents pour qu'on puisse évoquer tous ces sujets avec eux. Alors, vous avez, si je peux me permettre, en fait, la loi a été adoptée par le Parlement, mais pour l'instant, la loi n'est pas promulguée. Ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée en vigueur parce que le Conseil constitutionnel a été saisi et doit analyser ce texte sous couvert de sa conformité à la Constitution. Donc, tant qu'on n'a pas les résultats du Conseil constitutionnel, le gouvernement ne peut pas proposer la promulgation au président de la République. Donc ça, c'est la première réponse. Donc elle n'est pas rentrée en vigueur, elle ne rentre pas en vigueur tant qu'elle n'est pas promulguée. La promulgation n'interviendra pas avant vendredi ou samedi si le Conseil constitutionnel valide cette loi. Ensuite, dans le projet de loi, puisque ce n'est pas encore validé, il y a une disposition qui permet au gouvernement de mandater le préfet, le représentant de l'État, pour travailler avec les élus à une mise en œuvre qui pourrait être différée dans le temps. Donc on attend d'avoir la promulgation de la loi et d'avoir le mandat du gouvernement qui permettra de mettre en œuvre ce décalage potentiel de la loi en Guadeloupe. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup.